Réveille-toi, debout, debout. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux 11e anniversaire. Anniversaire. Waouh! Maman, papa, vous êtes les meilleurs parents qui existent. Eh bien, c'est pour te dire merci d'avoir fait de Dodo des parents vraiment très heureux. Parce que, sans toi, le titre d'être maman et d'être papa n'aurait pas été possible. Possible. Hein? Nous t'aimons tellement. Je vous aime aussi. Viens, mon bébé. Fais attention à ce cadeau. Je t'aime, ma petite Elina. Oui, maman. Tu sais que tu dois apprendre à être une femme. Oui, maman. Un bon enfant, que tu sois une fille ou un garçon, doit apprendre à faire la vaisselle, ouais, d'accord? C'est plutôt très bien, amusant. C'est ça. Bien sûr que c'est amusant. D'accord, je dois chercher... Où as-tu mis cette chose? Je pense que je l'ai mise au congélateur. Au congélateur? Ok. Tu l'as trouvé? Je pense que je l'ai laissé au congélateur. D'accord, je me demandais si nous devons manger de la soupe aujourd'hui. Oh non, je voulais des spaghettis. Spaghettis. Ok. Mais dis-moi, où avons-nous mis le saucisson? En fait, je pense que nous les avons tous mangés la dernière fois. Nous avons alors, fait des qu'allons-nous pasta. Utiliser? Je ne sais pas. Je pense que nous pouvons utiliser les carottes okay, qui sont okay, au congélateur. Ok, d'accord. Ok, je vais voir. Nous mais devons nous dépêcher avant que ton père ne rentre. Okay. Dépêche-toi avec ça. Tu aimes ce que j'ai acheté? Je les adore. Tu vas m'en donner quelques-uns? Bien sûr que oui. Ouh! Allez, monte. Un instant, j'ouvre la voiture. D'accord. Attends. Je suis impatiente de rentrer. Ok. C'est bon. Devant. Je ne serai pas ton chauffeur aujourd'hui. Tu dois déjà apprendre à conduire cette voiture. Ouais. Oh, mon Dieu. Donne-moi mon téléphone pour que j'appelle ton père pour qu'il prenne ses médicaments. Okay. Je sais qu'il va oublier si je ne l'appelle pas. Dépêche-toi. Ton téléphone n'est pas ici. Alors, où est-ce qu'il est? Oh, mon Dieu! Maman, je crois que tu l'as laissé à l'intérieur après avoir passé ton tout dernier appel. Ce n'est pas là! Oh, mince! Oh, oh! Ok, je me dépêche de le récupérer, d'accord? Il faut y aller. Toi, tu restes dans la voiture. Je reviens tout de suite, d'accord? D'accord. Je t'attends, attends, maman. Ok. Fonce. Je reviens tout de suite. Je reviens tout de suite, ok? Oh, j'ai oublié mes clés de voiture. Qui êtes-vous? Mon Dieu! Ah, ma voiture! Ma voiture! S'il vous plaît, on vient de me voler ma voiture. Qu'est-ce mon Dieu, ma fille! Désolée, s'il vous plaît. Quelqu'un vient de kidnapper ma fille. Ma voiture, s'il vous plaît, aidez-moi. S'il vous plaît, aidez-moi. Votre fille? Oui, ma fille, s'il vous plaît. Aidez-moi. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît, madame? Dis-moi, pourquoi perds-tu ton temps avec cette femme? Allons-y, s'il vous plaît, aidez-moi. Allez, nous devons aller à cette fête. Il faut qu'on l'aide. Allons-y. Arrêtez cette voiture. Arrêtez-la tout de suite. Arrêtez, je veux voir ma mère. Arrêtez tout de suite cette voiture. Arrêtez tout de suite cette voiture. N'ouvrez pas la portière, je vais appeler la police tout de suite. Vas-tu la fermer? La ferme. Quand je parle, tu écoutes. Compris?
Chérie, chérie, Elina est perdue. Quoi? Attends, attends, qui a fait ça? Où? Je ne sais pas. Quelqu'un est venu. Je suis allée chercher mon téléphone. Je ne sais pas, la voiture était dans le parking. D'accord, d'accord. J'arrive immédiatement. Arrête de pleurer. Je me mets en route. Je me mets en route, ok? Je vois une voiture qui ressemble à ma voiture. Regardez, je ne sais pas. Pouvez-vous vous dépêcher? Oh, oh, madame, s'il vous plaît, fermez-la. S'il vous plaît, savez-vous madame. Savez-vous que vous avez ruiné ma journée? S'il vous plaît, laissez-moi partir. Je ne suis rien d'autre qu'une enfant. S'il vous plaît, je vous en prie. Allô? Allô? Mon bébé? Où es-tu? Peux-tu Comment elle me va? Dire? Où es-tu? Est-ce que tu peux me dire? Elle va bien? Oui. Où es-tu? Maman. Je ne sais pas où je suis, maman. Elle se rend à Golgotha. Où ça? Le lieu du calvaire. Quoi? Qui êtes-vous? Je suis un dieu. Et ce que je veux, c'est ce que je prends. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez à ma fille? Quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez à ma fille? Qu'est-ce que vous lui voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Quoi? Oh mon dieu! Pouvez-vous, s'il vous plaît? Dites-moi. Oh non! Il a dit. Qu'a-t-il dit? Il a dit qu'il était un dieu. Et qu'il prend. Qu'il prend tout. Ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'un dieu voudrait à ma fille? Oh, José! Je n'arrive pas à croire que tu as ruiné ma journée à cause de ces bêtises. Je n'arrive pas à le croire. Oh Seigneur! Quelle merde! Seigneur, j'ai raté cette fête. S'il te plaît, s'il te plaît. Ah ah! Sois un peu humaine. C'est quoi? Nous parlons de l'enfant de quelqu'un. Oh, José, tu ne connais pas ces personnes. Tu ne les connais pas. Peut-être que son mari est un homme malfaisant. On ne sait jamais. S'il vous plaît, je vous en prie. Nous ne sommes pas des personnes malfaisantes. Mon mari n'est pas malfaisant. Mon mari est un homme bon, s'il vous plaît. Oh, vraiment? S'il vous plaît. Oui, oui. Oui, oui, oui. Je suis en train de traquer la voiture, ok? Là, il est en direction du sud. Ok. Oui, oui, d'accord. Chérie, ton téléphone sonne. Ah, inspecteur. Oui, inspecteur. Oui. Avez-vous déjà eu des nouvelles des kidnappeurs? Avez-vous mis la main sur eux? C'est pour me dire que vous n'avez toujours pas retrouvé ma fille. Mais écoutez-moi bien, savez-vous que cet enfant a juste 11 ans? Elle n'a jamais été quelque part sans nous, encore moins seule dans la forêt. Qu'est-ce que c'est que ça? Que va-t-on faire? C'est pas vrai. Que va-t-on faire? Qu'est-ce que c'est que ça?
Hey. Je veux ma mère. Je ne fais que patienter, je ne fais que patienter. Mais... que se passe-t-il, monsieur? Je ne fais que patienter. Nous parlons de mon enfant unique ici. Quoi? Vous n'avez pas d'équipement? Mais monsieur, vous n'avez pas de véhicule? Mais monsieur, comment pouvons-nous chercher quelqu'un qui a disparu? Mais vous n'avez pas des dispositifs de recherche? Oui, je parle de dispositifs de recherche. Mais monsieur, c'est mon seul enfant, est-ce que vous comprenez? Nous parlons de mon unique enfant. Ok, comment pouvons-nous trouver quelqu'un qui a disparu dans ce pays? Vous n'avez pas de véhicule, vous n'avez pas d'équipement, vous n'avez pas de dispositif de recherche. Mais monsieur, vous devez m'aider, c'est mon seul enfant. Monsieur, allô? 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 Lydia. Lydia. Laisse-moi tranquille. S'il te plaît, attends. Laisse-moi tranquille. S'il te plaît. Je n'en peux plus. Essaye de te calmer. Mon Dieu. Laisse la police faire son travail, ok? Mais comment veux-tu que je dorme dans cette maison alors que mon unique enfant est quelque part là-dedans et je ne sais pas où elle est? Oui, nous allons la retrouver. La police fait. Je dois aller la chercher. La police fait son travail. Je n'en peux plus, je ne peux pas. Allez, calme-toi. Allez, viens. Allez, calme-toi, viens. Je ne peux pas continuer comme ça. Je ne peux pas, oh mon viens, Dieu. Viens, essaie de te calmer. Allez, essaie de te calmer. Je ne peux pas. Ça va. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Nous allons tout faire pour la retrouver. Nous allons la retrouver, bébé. La police va la retrouver. Allez-vous-en. Allez-vous-en. Allez, viens là. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Elina. Aujourd'hui, c'est ton 26e anniversaire. Oui, tu as 26 ans. Aujourd'hui... Oh mon Dieu, tu es aussi grande de taille que moi. Regarde-moi. Tu n'aimes pas le gâteau? Mais ce sont tes couleurs préférées. Tu les aimes. Ce sont tes couleurs préférées. Elena. Ah. Oh, Seigneur. Et rien. Rien du tout.
ne peut m'empêcher de fêter ton anniversaire. Ni le temps, ni les saisons. Elena. Elena, ma vie. Ma vie n'est rien sans toi. Elena, comment puis-je continuer à vivre sans toi? Hey, mon amour, pourquoi est-ce que tu continues à t'affliger ça? Pourquoi? Je suis... J'ai trahi ma fille. J'aurais dû la sauver. Non, 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 tu as fait de ton mieux. Non. Tu as essayé. J'aurais dû mourir à sa place. Non, arrête de dire ça. Arrête, s'il te plaît. J'aurais dû mourir à sa place. J'aurais dû mourir. Non, non. Notre fille est là-haut, avec le Dieu Tout-Puissant. Et je suis sûr qu'elle voudrait qu'on passe à autre chose. Il est temps de passer à autre chose, mon amour, s'il te plaît. J'ai été stupide. J'ai été stupide. Non, non, s'il te plaît, s'il te plaît. J'ai été tellement bête et tellement stupide. Tu as fait de ton mieux pour la sauver. Non, tu as fait tout ce que tu pouvais. Mais comment ai-je pu laisser les clés de la voiture connectées à la voiture avec ma fille de 11 ans? Elena, Elena. Ça suffit. S'il te plaît. J'étais stupide. Allez. J'étais tellement stupide. Non, non, tu as tout essayé. J'aurais dû mourir à sa place. J'étais stupide. Arrête de dire ça. Tu as fait de ton mieux. J'ai pas essayé. Tu as fait de ton mieux. Je n'ai pas essayé. Je n'ai pas essayé. Elle aurait dû avoir 26 ans aujourd'hui. Tu as essayé. S'il te plaît. Elle est censée avoir 26 ans aujourd'hui. Ça suffit. J'ai été stupide. Ne dis pas ça, mon amour. J'ai été stupide. J'ai été tellement stupide. Elena, regarde ton gâteau. Viens manger ton gâteau. J'étais tellement stupide. Comment ai-je pu laisser les clés dans la voiture? Comment ai-je pu? Aujourd'hui, tu aurais eu 26 ans. S'il te plaît, pas aujourd'hui. Couche-toi. Je me sens très mal. Rapidement, vite. Tu es délicieuse comme toujours. Tiens, bois. Tiens. Allez, bois, allez. Voilà, bois.
S'il te plaît, trouve-moi un docteur. Je suis mourante. Les dieux n'ont pas besoin de médecins. Je veux un docteur. Je ne veux pas mourir. Les dieux ne meurent pas. Je ne suis pas un dieu. Je t'en prie. Le matin et deux le soir. Celui-ci, tu prends un chaque jour. Hein? Je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin de voir un médecin. Tu ne verras aucun autre homme jusqu'au jour de ta mort. Écoute, je sais que je ne signifie rien pour toi. Je suis rien d'autre que ton esclave sexuelle. Mais n'as-tu pas de cœur? Ne vois-tu pas que je suis gravement malade? Couche-toi. Couche-toi, couche-toi. Écarte grandement tes jambes. Non. Non. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Tu n'as pas intérêt à tomber enceinte. Sinon, je te tuerai. Maintenant, bois. Bois tout.
Où es-tu, femme? Où es-tu? Où es-tu, femme? Tu es entrée dans ma chambre. Et tu as pris mon fusil? Qu'est-ce qui t'a donné ce courage? Donne-moi les clés de la porte, ou bien je te tire dessus. Les dieux ne meurent pas. À présent, donne-moi mon fusil immédiatement. Ne bouge pas, sinon je te tue. Comment oses-tu? Tu es morte. Finalement, le dieu est mort. Salut, beauté. Comment vas-tu? Tu es sur mon chemin? Beauté! Allez, c'est pas prudent là dehors. Je veux juste t'aider. Et rien d'autre. Je m'appelle Eboubé. Je suis le manager d'une grande structure. Je veux juste t'aider. Hé, beauté! Comme je l'ai dit, je m'appelle Eboubé, de l'état d'Anambra. Puis-je te connaître? Elina. Waouh! Quel beau prénom pour une belle demoiselle. Alors, Elina, où est-ce que tu vas? Nulle part. Comment ça, nulle part? Hein? Ok, d'où viens-tu? Ok, je comprends, je comprends. Donc t'es comme ces villageoises qui viennent en ville pour avoir une meilleure vie, hein? Peut-être. Ellie, ma chérie. Ma beauté. Oh. C'était une journée magnifique. Attends, je vais fermer la porte. Et voilà, j'ai oublié. Ah. Mais... Elina, pourquoi tu restes debout? Allez, beauté, viens t'asseoir. N'aie pas peur, t'es en sécurité. Je te ferai pas de mal. Ellie? Attends, dépose ça. Allez, je te ferai pas de mal. Écoute, je suis très gentil. Je te ferai pas de mal, t'es en sécurité.
Allez, dépose ça. Viens t'asseoir. Ma beauté. Écoute, je t'ai amené ici pour te garder aussi longtemps que tu aimerais rester. Vu que t'as nulle part où aller, qu'est-ce que tu en penses? Merci. Non, pas besoin de me remercier. Pas besoin de me remercier, Elina. Je le fais. Je le fais de bon cœur, avec l'intention que tu me récompenseras de ma gentillesse. Je ne peux pas vous payer, je n'ai pas d'argent. Allez, qui te parle de me payer? Qui? Regarde, j'en ai de l'argent, regarde. Voilà de l'argent. J'ai pas besoin de ton argent, ce dont j'ai besoin, c'est toi, Elina. T'es belle, on dirait un rayon de soleil. Tout ce dont j'ai besoin, c'est que tu me laisses, Elina. Ellie, ma chérie. Regarde par ici, je vais te montrer quelque chose. Attends, je vais te montrer quelque... Mec, mate cette meuf une vraie bombe. Il faut que je me la tape, mec, serré, me fait des effets. Serveuse. J'ai jamais vu une meuf comme ça. Elle me tue carrément, mec. Waouh, une vraie bombe. Combien coûte ma facture? 2500, madame. Serveuse, c'est bon, je vais régler sa facture. Tiens, tu peux garder la monnaie. D'accord, merci. Je t'en prie. Ah, salut. Je dois vraiment avouer que vous êtes extrêmement belle. Vous êtes une beauté incroyable. Je m'appelle Eric. Comme vous pouvez le voir, j'étais sur le point de partir avant que vous n'arriviez. Eh bien, j'étais également sur le point de partir. Nous pouvons partir ensemble. Mec, je sais ce que je vais me la faire. Fais-moi confiance, putain. Crois-moi, je vais me la faire. Fais-moi confiance, ok? Il est 22h passé des 10 minutes. Très bien, mesdames et messieurs, comme je l'ai dit, ce fut une merveilleuse soirée, toujours sur la radio 105.15, numéro 1. Alors, avant de continuer, je vais vous jouer cette musique et je serai de retour après la pause, toujours sur la 105.15, radio numéro 1. Tu n'aimes pas la musique? Okay, je peux comprendre. Tu sais, j'aime les filles silencieuses. La performance au lit me fait peur. Très bien, cette chanson est décidée, sortie en 2007 après la sortie de son album, sans oublier que je serai en interlude ce soir sur votre radio 105.15, votre radio depuis l'état de Lagos. Mais je reviendrai après ce temps mort. À tout de suite. Tu me donnes envie d'avoir envie de toi ici, tu vois. Putain. Très bien, cette chanson est de CJ Ridier, sortie en 2007 après la sortie de son album. Sans oublier que je serai votre interlude ce soir sur la radio numéro 1. Vous êtes sur la radio 105.15, la radio numéro 1. Nous avons encore plein de surprises en store pour vous. Vous écoutez la radio 105.15, votre radio numéro 1. Je suis là pour vous pour toute cette soirée. Votre radio numéro 1 depuis l'état de Lagos. Au Nigeria, je reviendrai après ce petit temps mort. Restez à l'écoute.
Je peux démarrer? Oui, monsieur, vous pouvez démarrer. Ah. Tout va bien maintenant, monsieur? C'était justement le carburant qui a causé ça. Sinon, ça n'est pas démarré. Même si vous insistez, ça n'est pas démarré. Donc, c'est juste à cause du carburant que je suis bloqué ici. C'est ça, patron. Toute la nuit. C'est ça, patron. Des bandits auraient pu me tuer ici. Ok, merci. De rien, patron. S'il te plaît, je n'ai pas d'argent ici. Pas de soucis, mais patron. Je t'en demande compte alors. Quand j'arrive à la maison, je te fais un virement. Pas de problème, patron. Pas de problème, d'accord. Patron. Merci. De rien, patron. Ok, passe de l'autre côté. Monte de l'autre côté. Vas-y, monte. Ne vous inquiétez pas. Je m'appelle Chita. Quel est ton nom? Ok, écoute, je ne veux pas... Ce n'est pas... Ok, qu'est-ce qu'une belle femme comme toi faisait à cet endroit et qu'est-ce que tu faisais là-bas? Tu ne sais pas parler? Est-ce que t'es muette? Toi, faisais quoi là-bas? Pourquoi? Hein? Que faisais-tu là-bas? Alors, bienvenue dans mon humble demeure. Fais comme chez toi. Détends-toi, tu peux déposer ton sac. Tu as peur? Désolé. Tu peux... t'asseoir là-bas. Ou bien là. Ok, je... vais aller dans ma chambre et dormir. Détends-toi, c'est ton espace ici. Détends-toi, ok? Bonne nuit. J'ai fait à manger, alors voici ton repas. Je l'ouvre. Vas-y, mange. Allez, mange. Ah.
Ok, je vais écouter. Très bon. Ok, je serai dans ma chambre, ok? Sens-toi à l'aise. C'est ça ta chambre pour le moment. Je t'ai déposé une robe sur le lit. Alors dès que tu finis de prendre ton bain, tu pourras la porter. Merci. Tu viens de parler. Je m'appelle Elina. Elina. C'est un beau prénom. Vous êtes un dieu homme différent. Un dieu homme, qu'est-ce que c'est? Il transforme. Se transforme. De quoi est-ce que tu parles? Ok, c'est bon, tu n'as pas besoin d'en parler si tu ne veux pas. J'ai besoin d'une douche. Oh oui, les toilettes sont juste là. Une serviette, il y a tout là-dedans, donc sois à l'aise. Ça a une serrure, donc tu peux fermer si tu veux. Merci. Ok, je ferme la porte. Veux-tu me dire que t'as traversé cette expérience horrible que tu viens de partager avec moi, Elina? Ah. Ah. Dieu merci que, malgré tout ça, tu t'en es sortie vivante. Écoute. Je te promets que... tu n'auras plus à traverser ça. Je ferai tout ce qu'à mon pouvoir pour te réunir avec tes parents. Ok? Merci. Tout va bien. Tu sais ce que tu peux faire pour moi? Souris. T'as un si beau sourire. T'es sérieuse? Tu vois, t'as un si beau sourire. Mon tout premier sourire après 15 ans. Oh. Dieu punira ce bâtard qui t'a enlevé ce si beau sourire. Écoute. Tu n'auras plus jamais à traverser ça, ok? Merci infiniment.
Allô, monsieur? J'ai la suspecte en vue. Oui, monsieur. Ok, monsieur. D'accord, monsieur. S'il te plaît, s'il te plaît. Avant de défaire ce paquet, je voudrais que tu ailles à la cuisine parce que je suis affamé. Je peux venir avec Bien toi? Bien sûr, on y va. Mais... qu'est-ce qui se passe ici? Qui êtes-vous? Je ne suis pas ici pour vous, Monsieur Cheta. Je suis là pour cette criminelle. Elina? Non, non, oui. Je la connais. C'est une pauvre fille innocente qui a traversé beaucoup de choses dans sa vie. Je ne sais pas ce que vous lui voulez. C'est ce qu'elle vous a fait croire. Elle vous a menti. C'est une criminelle et une meurtrière. Elina. Oui. Jeune fille, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre. Elina. Elle ment, pas vrai? Il m'a attaqué le premier. Il voulait me tuer. Je devais me défendre. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous devant une cour de justice. Arrêtez-la. Cheta, s'il te plaît, aide-moi. Aide-moi, ne m'abandonne pas, je t'en prie. Aide-moi. Ne t'en fais pas, t'en fais pas. Je vais trouver un avocat. Cheta, je vais trouver un avocat. Dépêchez-vous. Je t'en prie. Tout va bien, tout va bien. Aide-moi, je t'en prie. Allez. Madame, excusez-moi, où est-ce que vous l'emmenez? Vous aurez de la nouvelle. Je dois savoir dans quel commissariat vous l'emmenez. Mais... ça, c'est de la foutaise. Monsieur, cette fille en question dit que la victime l'a attaquée en premier. Ce qu'elle a fait était de la légitime défense. Nous n'avons pas de preuves pour l'affirmer. La caméra de surveillance de la cour les montre tous les deux en train d'entrer dans le bâtiment. Il n'y a aucune forme de harcèlement. Les mêmes caméras de surveillance la montrent en train de se saper du bâtiment. Et après ça, ce monsieur a été retrouvé en train de baigner dans une mare de sang. Dieu merci la survécu à cette attaque. Y a-t-il des caméras de surveillance qui montrent ce qui s'est passé dans la chambre? Non. Vous voyez où je veux en venir? Donc elle pourrait être en train de dire la vérité que ce mec l'a attaqué en premier. Eh bien... ce n'est pas de mon ressort de prendre cette décision. Pourquoi ne cherchez-vous pas un avocat? Allô, maître. Vous êtes au poste de police? Venez directement dans le bureau du commissaire, je suis là. Ok. Mon avocat est là. Ah ah. Bonjour, maître Ikemba. Commissaire, comment allez-vous? Je vais bien, monsieur. Et comment se déroule le travail de la Très bien. S'il vous plaît, asseyez-vous. Merci. Ça fait longtemps, hein? C'est vrai. Vous vous connaissez? Ah. Qui ne connaît pas maître Ikemba? C'est un visage familier dans ce poste de police. Oui. Bienvenue. Oui. Alors, jeune fille, comment vas-tu? Ok, je suis maître Aloysius Ikemba et je suis ton avocat. Ok? Maintenant, je veux que tu me dises absolument tout ce qui s'est passé. Et rassure-toi de me dire... rien que la vérité. Parce que c'est de cette façon que je peux t'aider. Elina, ce n'est pas le moment de se taire. Ressaisis-toi et défends-toi. Il a raison. Papa. Papa. Cheta, comment est-ce que tu l'as appelée? Elle s'appelle Elina. Elina? Tu t'appelles Elina?
ma Elina. Elina. Ekemba. Papa. Ma petite Elina. Oui. C'est moi. Elina. Ok, ça suffit. Papa. Papa. Elina. Tu n'as pas l'air content, chérie. Comment est-ce que ça s'est passé? Elle a grandi. Je sais. Elle serait déjà tellement grande. On lui a refusé de réaliser le rêve de sa vie. Elle a toujours voulu être pilote. Une femme pilote. Ses yeux sont aussi rayonnants que les tiens. Malgré tout ce qu'elle a traversé dans la vie. Les épreuves. Mais elle est toujours aussi belle que toi. De quoi est-ce que tu parles? Chérie, de quoi est-ce que tu parles? Notre Elina. Notre fille. Elina est en vie. Elina est en vie. Elina est en vie. Oui, elle est en vie. Conduis-moi à elle. Conduis-moi à elle maintenant. S'il te plaît. Chérie, chérie. Conduis-moi. Conduis-moi à elle, s'il te plaît. Calme-toi. Maître Ikimba. Oui. S'il vous plaît, soyez encore un tout petit peu patient avec nous. Nous sommes en train de remplir quelques procédures officielles. Vous savez que je ne vais pas outrepasser le protocole habituel. Je comprends. Je oui, comprends. Vous qui venez ici pour la deuxième fois en une journée. S'il vous plaît, prenez votre mal en patience, ok? Ok. S'il vous plaît, avant de partir, passez dans mon bureau me voir. Je le ferai. Très bien, merci. Je vous en prie, je vous en prie. Viens, ma chérie. Allez, asseyons-nous. Maman. Maman.
Maman. Oh! Cette honorable cour décide. Cette honorable cour décide que Mademoiselle Elina Ekemba est aussi coupable que l'accusation. Et Elina est condamnée à 20 ans d'emprisonnement et de travaux forcés. Et ceci est mon jugement. Pourquoi est-ce que tu continues de t'affliger ça? Hein? Pourquoi? Alors, vas-tu regarder ma fille pourrir en prison? Pourquoi a-t-elle donc un père comme avocat? Pourquoi? Pourquoi a-t-elle un père comme avocat? Lydia. Pourquoi? Lydia, je t'en prie. Tu devrais comprendre. Ce n'est plus dans mes cordes maintenant. Il s'agit d'un cas de meurtre. Et la justice doit faire son travail. Au diable, la justice! Calme-toi. Au diable, la justice! Où était la justice? Quand ma fille a été kidnappée, où était la justice? Quand ma fille souffrait entre les mains d'un violeur, où était la justice? Quand elle se faisait violer pendant 15 ans, calme-toi, où était la justice? Ekemba, si tu ne ramènes pas ma fille, alors prépare-toi à m'enterrer. Non, non, ne dis pas ça. Allez. Je vais me tuer. Mon amour, calme-toi. Je vais me tuer. Je t'en prie, arrête. Je vais Allez, me tuer. Calme-toi. Tout ira bien. Je vais me tuer. C'est bon, ça suffit. Je vais me tuer. Bonsoir, bienvenue au journal télévisé de 20h. Je m'appelle Chika Kalou. Avant l'intégralité du journal, voici les grands titres. Dans le cadre de la commémoration du 60e anniversaire de l'indépendance du Nigeria, le président a accordé la grâce présidentielle à 5000 détenus. Abuja accueillera le prochain sommet de l'Union africaine.
ma fille. Viens, mon bébé. Bienvenue à la maison, Elina. J'espère que tu es content d'être là. Oh, après toi.